Allez, salut à tous, salut à toutes, bienvenue au stade Nouma Dele, un nouveau live match qui vous est proposé par la FCF TV. Et ce sera cette entame tant attendue des playoffs mobile Super League 2020. Quatre clubs qui vont se lancer dans la bataille donc de ces playoffs. Tout se jouera en trois journées, en six matchs exactement. Là où le titre de champion de Calédonie 2020, et puis cette seconde place qui sera également qualificative pour la Champions League OFC, seront en jeu avec nous pour commenter cette rencontre à mes côtés. John Gop, salut John. Bonjour Romain. Bon John, on est content de te retrouver parmi nous. Et puis forcément, une belle journée, une belle après-midi de football attendue ici au grand stade de Nouméa. John, où cela va commencer donc ces playoffs par une belle opposition entre Tigasport et Yengensport. Avant cela, là on reste sur une dernière rencontre entre ces deux équipes où Tiga en championnat là, sur la dernière journée a battu donc 3-1 Yengensport. Ouais. Donc on va voir aujourd'hui comment le match va être abordé par les deux équipes. On s'attend quand même à un tout autre match aujourd'hui, John, avec une composition d'équipe de Yengensport qui a beaucoup évolué par rapport à la semaine dernière, avec des retours, également des absences. On va donc justement passer à la composition des équipes, notamment donc pour débuter celle de Yengensport avec Félix Tagawa, donc le coach nordiste qui a mis en place John à 4-1-2-3. On retrouvera dans les buts Rokini Kane. Défense à 4, John. Défense à 4, oui, avec à gauche Bruno Yamen. Dans l'axe, Émile Berrouni qui sera accompagné de Joseph Attalé. Et sur la droite, le latéral droit, qui sera Jean-Luc Decoiré. Au milieu défensif, on aura le 8, Jordi Goni, qui sera juste derrière donc Ryan Hué sur sa gauche, avec le numéro 17. Le milieu offensif, numéro 3. Défensif Willy Yentao et le trio d'attaque, enfin d'attaque et de milieu défensif, Nelson Kai qui sera sur la gauche, numéro 23, Miguel Cayera avec le 10 et l'attaquant Gwenaël Poulawa. Donc le capitaine sera, qu'on voit à l'écran, Miguel Cayera. L'emblématique Miguel Cayera, alors qu'une minute de silence est observée en la mémoire de Diego Armando Maradona. C'est forcément toute la famille du football mondial qui rend hommage à ce grand joueur, Diego Maradona, qui avait amené l'Argentine sur les toits du monde en 1986 du côté du Mexique. Donc John, on vient de voir cette composition d'équipe mise en place par Félix Tagawa. On va passer à la composition d'équipe de Tigasport, Pierre Wadjoka, qui part sur un 4-1-2-3 avec une pointe basse, John, notamment, on le voit sur cette composition d'équipe. Ça sera Pierre Bacou en sentinelle, avec un peu plus au-dessus de lui, Joël Wakanumune et Ronald Juregay. La défense à 4, donc juste derrière ce milieu à 3, donc qui sera composé de Georges Berrouni, avec dans l'axe Jérémy Dokunengo et Loïc Wakanumune. À droite, Jean-Pierre Bob, dans les buts, Gaïska et Pézé. Et puis devant, John, un trio offensif qui est intéressant et qui va vite. Je pense que c'est aussi ce qu'a voulu Pierre Wadjoka, mettre de la vitesse sur les côtés. On le voit avec Jean-Jacques Berrouni à gauche, le jeune Jean-Jacques Berrouni, devant Louis Oya, le jeune mais néanmoins est titulaire depuis 2 ans, depuis toi d'ailleurs, ouais. John, puisque l'année dernière tu étais coach de Tigasport. Donc Louis Oya, titulaire indiscutable de cette équipe de Tocanode. Et puis à droite, Richard Sellé. On va s'attendre, John, je le disais, à une équipe de Tiga qui va essayer de contrer Yengen, notamment sur les côtés, amener de la vitesse avec Richard Sellé et Berrouni. Alors en tout cas, on aura une belle bataille au milieu là. Il y a quand même. Au milieu de terrain de Yengen, il y aura le grand Cédric Sanso qui va peut-être manquer. Il est absent aujourd'hui, Cédric Sanso, c'est sûr que ça va être un manque. Alors donc je me suis renseigné en bas. En porte-terrain, donc juste avant cette rencontre, c'est avec Sanso qui travaille, qui malheureusement ne pourra pas jouer cette rencontre. Forcément un point fort en moins du côté des nordistes. Il va falloir pour Tigasport de profiter de cette absence pour gagner leur bataille au milieu de terrain. Ah, maintenant on a encore Jordi Goni, Willy Yentao et Ryan Hué qui vont justement combler ce manque lié à l'absence de Cédric Sanso. Cédric Sanso, que l'on salue,
S'il nous regarde malgré tout, même s'il travaille, alors forcément c'est pas évident. Je crois qu'il doit être hors de chantier. Et donc ce milieu de terrain de Tigasport en point de basse, on retrouve Pierre Bacco, je le disais, et Joël Wakanoune qui a plus l'habitude de dévoiler ce poste de sentinelle, qui sera plus en rôle de relayeur. Il va amener son expérience pour poser le jeu toujours aussi calme, le capitaine international Kagou. Avec le petit Ronald Urégué qui sera le dauphin de Joël Wakanoune depuis quelques matchs. Voilà, c'est parti avec Richard Sellé qui allonge d'entrée la tête de Jean-Luc Décoiré, que l'on retrouve titulaire au poste de latéral droit. Alors, Yann Gainsport qui a dû faire face à des absences un peu de dernière minute, donc ça a été un peu compliqué cet avant-match. Des premières minutes de jeu, secondes de jeu qui vont être importantes, John. Ça va être, tu le disais, une belle bataille au milieu de terrain. Il va falloir aussi s'imposer dans les duels et imposer son jeu. Exactement, surtout qu'aujourd'hui, bon, il y a du vent, il y a beaucoup de vent, mais il y a quand même pas mal de chaleur. Il fait chaud, le terrain est sec, donc il va falloir gérer pas mal de choses. Jean-Pierre Bob à la touche pour l'Ouest Roya et c'est dégagé. Allez, bon ballon juste aux abords de la surface et ballon récupéré par les nordistes avec Décoiré, Jean-Luc Décoiré devant Nelson Kai, c'est bien fait. Faut conserver ce ballon avec Willy Yentao que l'on retrouve dans notre jeu, Willy, aujourd'hui. Décoiré à nouveau. Cherche l'attaquant de pointe, Ghana Poulawa. Plaisir de le voir titulaire dans cette équipe, Ghana Poulawa. Il est bien passé devant Jérémy Dokunego, mais son contrôle a été un peu trop lent. Donc, sortie de but pour les rouges et blancs. Alors, on est en direct, forcément, sur notre page Facebook Mobile Super League. À l'antenne, donc avec John Gopp qui sera notre consultant sur ces trois playoffs, ces trois journées de playoffs, donc six rencontres à suivre. Il y aura donc cette première journée, cette première belle après-midi de football, puisque restez bien avec nous à 16h. On aura ce choc également entre l'Horizon Passau et l'AS Magenta, à suivre également sur nos antennes. Et puis on se retrouvera, John, le week-end prochain, le samedi 5 décembre, toujours au Stade Noumadélé pour deux autres rencontres, la journée 2 de ces playoffs à 4. Avec Tigasport qui cette fois-ci sera opposé à l'Horizon Passau, on va suivre cette action. Et puis Yann Gainsport Magenta, ce sera pour le week-end prochain. Et on clôturera cette saison avec certainement une journée décisive du côté de Yoshida Akone le samedi 12 avec deux rencontres, Tigasport Magenta, Yann Gainsport Horizon Passau. Voilà, John, ce qui nous attend, et on va dire que c'est un programme alléchant et passionnant à venir. Les deux équipes sont bien en place, ça coulisse bien, c'est toujours comme ça les débuts de match. Après, il va falloir attendre au quart d'heure de jeu. Ouais, c'est un peu le round d'observation, effectivement. Ouais. Ce bon pied gauche là de Béarnouet et la couverture bien de l'autre Béarnouet, bien couvert. Goni, Quaré, Yentao. Yentao qui n'obtient pas la touche. Ouais. Qu'ils arrivent à poser le jeu, Tigas, s'ils veulent. Ah, c'est des longs ballons. Là, ça repart. Willy Yentao.
Avec Nelson Kay très disponible. Nelson Kay qui perd ce ballon, ça l'emballonne. Attention, on revient dans les bruits de Rockin' Kane qui va chercher à gauche, loin là-bas. Par Émile Berrounet. Touche pour les joueurs de Yengen. Toujours rapidement, attention. Fin de la surface, le ballon qui ressort. Ah, oui, trou un peu sur cette passe. Ryan Huet qui a loupé sa passe et qui sort en touche pour que Jean-Pierre Bob et Tigaspor puisse se dégager. Longue touche. C'est récupéré par Émile Berrounet, très présent défensivement. Sur ces débuts de match. Ça joue bien. Un jeu d'Yengen très à droite pour l'instant. Pas encore trop vu. Miguel Cayara. Joël Wakanumule qui est en retard et qui a fait une faute sur Nelson Kay. Un ballon qui sera joué par Joseph Attalé. Sion. Deuxième poteau, un ballon qui... On a oublié de John aussi de... Sinon ça repart, ouais. Miguel Cayara qui est tout seul. Miguel Cayara, la percussion, ça passe Miguel Cayara, ouais. Le centre, le sauvetage de Loïc qui s'est fait... déposer là-dessus. Petit crochet du capitaine nordiste. Repart. Bien récupéré par Ronaldo, il l'obtient... Ah non, il fait la faute. Lalain fait la faute à Iné, enfin Ronald. Ronald, c'est ça, oui. Ronald Urégueil. Ronald Urégueil. Commet une faute. Enfin, 25 mètres. 25 mètres à peu près pour Joseph Attalé. Ah, ça peut à être 25 un... mètres excentré à gauche du but de IPZ. Il peut la tenter direct, Jo Attalé. Ouais, je pense qualité. Que là, il est parti. Ouais. Il y aura 4 qui va être mis en place. Et face au vent, faire attention que le ballon ne monte pas. Important là, la position du corps. Allez, Joe Attalé. Bien parti. Le but, voilà. Il est bon celui-là. Il est signé. Joe Attalé. Ouais. On l'avait dit, John. Ouais, ça pourrait être direct. Et le rebond qui a surpris. Gaïska IPZ, ça fait 1-0. Et John, clairement, les débats sont lancés dans cette rencontre. Yengen va bien parti pour bien se positionner dans ces playoffs. Première journée des playoffs. En tout cas, ils ont lancé idéalement cette rencontre et il reste du temps forcément pour Tigaspor. Pourtant, il n'y a pas eu de grosses occasions. Mais, voilà, premier coup de pied arrêté à 25 mètres des débuts de Tigaspor. Et puis 1-0 pour Joseph Attalé pour Yengen Sport. Voilà, en tout cas, les hommes de Félix Tagawa dans une rencontre où le rythme avait du mal à être trouvé par les deux formations. On s'observait beaucoup de jeunes et puis finalement, ce coup de pied arrêté va certainement réveiller un peu tout le monde, notamment Tigan accueilli à froid. Attention, ça repart. Ah, le côté gauche là-bas, Bruno, le côté Yanem. Droit de Tigaspor, il y a beaucoup plus de mal à stopper les... les assauts de Yengen Sport, comparé au côté gauche où il y a Georges Berrounet et Jérémy Dokunengo. Donc faire attention à Tigaspor à ce côté droit là. Ça joue lent, ça va chercher très très loin. Sur Berrounet, un autre Berrounet, Jean-Luc. Non, c'est là où aussi John Yengen va devoir être très très attentif et devoir compenser ses montées assez récurrentes de Bruno Yanem. Bruno Yanem. Parce qu'en face de lui, il y a Richard Sellé.
Effectivement, c'est toujours un peu difficile. Faut trouver le juste équilibre pour Richard Sellet, par exemple, pour essayer de cerner, de cadrer les montées de Bruno Yanem. Mais d'un autre côté aussi, ça peut jouer en contre très rapidement du côté de Richard Sellet. On va suivre ça forcément avec Pierre Bacco dans l'axe. Dans ces phases de jeu, le ballon il était à gauche. Il revient sur Bacco à gauche. Ah, il faut ouvrir, il faut donner là-bas. De l'air au jeu. Il faut partir à droite et puis recréer un décalage, trouver des espaces. Mais il ne faut pas s'enfermer comme ça sur un côté. Allez, pied gauche encore de Berounet à l'opposé. La prise de balle impeccable. Et prendre le temps. Rokinikin. Il peut donner de la vitesse à son jeu en prenant le temps. Donc refaire s'il faut. Là, ça va trop vite. D'un côté à un autre, ils n'ont pas préparé leur action. Et le danger dans tout ça, c'est la fatigue après. Courir après le ballon, à un moment, il va falloir tenir 90 minutes dans ces conditions-là. Alors, on a oublié de vous présenter, on n'a pas eu le temps sur cet avant-match, donc le trio arbitral, arbitre central Johnny Reboul, assisté de Claude Chevellier. Et Eric Bougin en aura en quatrième arbitre, Bertrand Cotereux. Voilà. Long ballon. Qui cherche des longs ballons depuis tout à l'heure, ça a joué loin. Ça fait au moins 4 ou 5 transversales là, de Georges Berronnet. Voilà, et encore une fois, c'est de trouver Richard Sellet ou... Attention. Voilà, le crochet dévastateur de Miguel Caillard. 5 contre 2, 6 contre 3. Miguel Caillard, double Caillard, crochet. Double il a l'air en forme. Miguel Caillard. Ouais, heureusement que Ronald Duregay est revenu, sinon le côté droit, c'est vrai qu'il est en train de se faire. Le côté droit de Tigaspor est vraiment en danger. Il va falloir faire très attention à leur déplacement, à leur course. Parce que tactiquement, c'est léger. Ouais, Jean-Pierre Bob qui là-bas va devoir trouver ses marques dans sa position de latéral droit. Et puis je le disais, c'est pas qu'une histoire de latéral droit John, c'est aussi une histoire de. Bah de venir soutenir ses Jean-Pierre Bob sur ses deux contre 1 sur trois situations qu'on a vues. Deux contre 1 qu'il doit gérer Jean-Pierre Bob avec ses montées de Bruno Yanem. Ah, ça va être certainement John les clés du match. Pour Tigaspor, pour les deux, ouais, Tigaspor au niveau défensif et Yengenspor s'il continue d'exploiter ses erreurs défensives du côté droit de Tigaspor. Ouais. Ça va être un. C'est vrai. Loïc va partir à gauche avec Jérémy. Encore un long ballon. Voilà. Ouais, c'est pas bien le jeune Berounet. Et la belle récupération de Jordi Goni. Ikane, long ballon. Et donc toujours un but à zéro depuis l'ouverture du score à la 8e minute de jeu de Joseph Attalé sur un coup franc direct. Ouais, ça sort. Ça sort très haut du côté, c'est bien joué hein, quand même ce qu'il fait Jean-Pierre Bob. Attention quand même. Ça passe la frappe et la passe de Gaïs Kalpézé sur cette frappe de Willy Yentao. Qui se pose pas de questions et qui frappe et c'était cadré. Donc oui, Jean-Pierre Bob à droite qui essaie de sortir pour chercher haut son adversaire, mais derrière ça suit pas. Donc après il y a des écarts. Donc faut que son défenseur central soit à la campagne, soit lui il n'y va pas, mais je sais pas. Ouais, faut communiquer. Beaucoup de communication importante dans ces matchs où le détail, les détails sont importants, John. Joël Wakanumune qui vient de laisser passer devant lui, Attalé. Il va falloir faire très attention là, être plus attentif. Ah, encore un long ballon, Tigaspor qui. Attention à la couverture impeccable pour l'instant, Emile Berounet. Dans ses interventions, notamment sur l'OS Waya. Ils sont bien en place défensivement, Yengenspor, pour l'instant. Ils ont leur bloc de
Alors, 8 joueurs là, qui se déplacent bien au milieu, derrière, donc les lignes entre les défenseurs et milieu défensif et milieu offensif. La récupération, Kayara, qui réussit à se débarrasser de Jean-Pierre Bob. Aïe. Ce renversement de jeu et ça peut créer une situation intéressante pour Tigasport. La frappe et la parade, heureusement, suite à ce crochet. Bien réussi son crochet. Il avait Richard Sellet à le jeune Jean-Jacques Baronnier, mais il a choisi de frapper. Et on a vu, John, cette perte de balle. C'est assez rare pour être souligné de Miguel Kayara. Il s'est déchiré sur son renversement de jeu. Et on voit que ça peut aller vite en contre. Ça peut aller très vite, surtout des ballons perdus comme ça là. Passe latérale dans l'axe. L'équipe s'est préparée à amorcer une attaque. Ballon perdu et il va falloir défendre au plus vite. Après, Tigasport, ils n'ont pas profité. Ils avaient l'occasion de pouvoir revenir au score avec Jean-Luc Béaroulé. Jean-Jacques Béaroulé. Jean-Luc Décoiré. Décoiré, Jean-Jacques Béaroulé. Wayagi. Un autre Béaroulé, Georges. Ah, il faut s'y retrouver. On ne le voit pas là sur l'écran, mais c'est lui qui fait la touche. Hop, il y a eu une petite faute de la part d'un bleu. C'est Jordi. Pierre Bacco qui récupère ce ballon. Et ça va être un coup franc rentrant. Intéressant, ouais. Rentrant, le vent avec lui. Généralement, dans ces situations, on cherche entre le point de pénalty et le gardien, assez tendu, rentrant, bien fouetter le ballon voilà. Pour que ça soit touché. Ballon tombant, comme il l'a fait tout à l'heure à Thalé, avec un rebond, c'est... Ah non, c'est, trop... fait, mais c'est un peu léger et la fermeture bien assurée par le buteur Joe Attalé. Oulala, attention, on n'arrive pas à se dégager du côté d'Yen Gensport et Décoiré Jean-Luc qui. C'est Jean-Luc d'Antigasport qui réclamait une main. Ça va corner. Corner qui va être frappé par Béarouné, Wayagi, Jean-Jacques. Et c'est frappé. Poteau la tête. On n'était pas loin de l'égalisation de Wessoya. Pas loin de marquer. Il y a une sortie de but. Voilà l'Ouest qu'on voit à l'écran là. Ah, le Wessoya qui, je le disais, s'est imposé très clairement dans cette équipe Tigasport. On voit le coach Pierre Wadjoka là de dos à droite. Béarouné à la relance, bien fait, Coué qui doit un peu régler ses passes, Ryan Noué en ce début de rencontre. Il est très loin, comme il s'appelle, Loïc Kouakanoumouné de Jean-Pierre Bob. Et Béarouné, Georges, un relais avec Kouakanoumouné, Joël, Lokinego, c'est bien fait. Voilà, c'est phase de construction, John, intéressante. Le temps. Jean-Pierre Bob, il est complètement à droite là-bas, on voit que sur l'écran. L'Ouest il laisse ce ballon en touche. Ouais, je pense cette volonté de Ouest Wadjoka de voir ses joueurs très écartés, profiter un peu de. Des côtés, des espaces sur les côtés laissés par Yann Gain, le centre, encore Béarouné omniprésent, c'est pas fini avec attention Richard Sellet, le duel superbe Bono Yanem avec son capitaine, ou attention le compte. Miguel Kayara, toujours avec le ballon. On avait vu Nelson Kay à l'opposé. T'es bien seul.
donnera rien. Ballon qui file en sortie de but. Alors, on va aussi donner cette info donc pour ces rencontres de play-off. Donc, on sera, ces rencontres seront à suivre. Hein. On le voit exactement ce qu'on disait. On va suivre cette action. Hein, parce qu'il y a la montée de Bruno Yalem qui ne cadre pas dans son dos, qui ne compense pas dans son dos. Et bon, on a vu Jean-Pierre Bob arriver prendre l'espace. Il y a beaucoup franc pour Richard Sellé. Et voilà, un coup franc. À peu près à 25 mètres, pareil, comme tout à l'heure. Donc, j'en profite pour vous dire donc, que cette rencontre, comme les 5 autres à venir de playoff, est à suivre sur donc, la page mobile Facebook Mobile Super League et également sur la chaîne YouTube, donc en double flux. La chaîne YouTube FCF TV. La chaîne YouTube FCF TV qui vous permettra d'avoir une qualité optimale HD, donc à vous de faire votre choix. Richard Sellé, son pied gauche. Franck centré à droite. Il y a beaucoup franc, effectivement, avec Richard Sellé, c'est trop pour lui. Donc voilà, John, on se donne rendez-vous sur ces 3 week-ends, à la fois sur le groupe Facebook et à la fois donc, sur la chaîne YouTube. Donc les playoffs qui va définir, enfin c'est un petit championnat qui va définir donc le vainqueur de ce championnat 2020-2021. Enfin 2020. Exactement. Et qui va participer à la Champions League du Pacifique. Oui, tout comme deuxième place également est qualificative. Donc les deux premiers. Alors il y a le titre de champion de Calédonie en jeu et puis forcément cette seconde place. Très importante dans la construction d'un club, John, notamment Tiga Sport et Horizon Passo, pour qui ça serait une première hein, d'aller défendre les couleurs de la Calédonie au niveau international et notamment océanien. Et puis du côté de Magenta Yengen, forcément. C'est des habitués maintenant. Des habitués, mais il va falloir aller chercher à nouveau une des deux places et un titre, forcément, pour étoffer le palmarès et confirmer que Magenta Yengen sont actuellement les deux meilleurs clubs hein, de Calédonie. Voilà, on renverse le jeu. Alors c'est pas... C'est bien fait. Mais ça profite quand même. Non, c'est ce qu'il veut. Il a un peu dévissé, mais finalement... ça. Attention. Ouh, attention, j'ai envie de décoller ces ballons... C'est bien. Ce genre de ballon qu'il faut savoir garder, exploiter au mieux. Là, Joël Wakalumune, il n'a pas fait profiter ce ballon intéressant pour la formation de Tiga Sport. J'ai l'impression que c'est des ballons qui ne sont pas utilisés correctement de la part des rouges et blancs. Là. Et où est qui peut trouver Bruno Yanem, la frappe de Yanem. Alors John aussi, je parle des montées de Bruno Yanem qui sont intéressantes. Je vois José Fatale également monter. Il faut aussi compenser ces montées parce qu'on se retrouve pratiquement parfois à deux défenseurs. Côté Yengen, on va profiter du water break pour en parler. John. Pour l'instant, c'est positif pour Yengen. Ils mènent, ils veulent continuer à attaquer, à avoir un apport offensif conséquent. C'est vrai que le problème après. Mais il faut que Tiga Sport joue bien le coup. Parce que je reprends l'exemple de leur côté droit avec Jean-Pierre Bob et la paire Jean-Pierre Bob Loïc Wakalumune. Quand Jean-Pierre Bob monte haut pour essayer de récupérer le ballon et exploiter une bonne contre-attaque, Wakalumune, il est trop loin. Ça fait que quand il perd le ballon, derrière, si Wakalumune, il n'est pas proche pour récupérer le ballon, entre guillemets, il y a situation d'attaque dangereuse pour Yengen. Et c'est ce qui s'est passé sur le premier but. Il est pas fin, si je me souviens bien. Et les attractions sur le côté gauche où Jean-Pierre Bob il enclenche une attaque, il perd le ballon et ça profite après aux attaquants de Yengen sur le côté gauche avec un apport offensif, un surnombre.
Ouais, donc affaire à suivre. Qui a donné naissance à ce coup franc et le but. C'est vrai qu'il va falloir faire très attention parce que les 90 minutes, il va falloir les tenir. Si les deux latéraux montent autant de fois comme ça, ça peut à la fin être. Il fait très chaud aujourd'hui. Il fait très chaud, pratiquement 30 degrés. Ouais, heureusement, il y a un peu de vent. Je vais saluer aussi la direction technique fédérale avec une opération qui a eu lieu hier et on remercie et félicite nos footballeuses du Caillou qui étaient présentes à la fois avec plus de 130 filles des trois provinces présentes hier sur le terrain municipal de la Foix. À l'initiative de cette action fédérale, Charlotte Pelletier et la direction technique FCF représentée par Dominique Ouachali, Kamali, Eric Chevalier, etc. Donc vous les connaissez. On félicite cette action, l'initiative de Charlotte Pelletier pour, à destination de nos filles, nos footballeuses du Caillou. C'était une action de tout âge, John, des petites aux plus grandes. L'important, c'est de voir nos jeunes filles et garçons s'éclater sur le terrain de football, partout sur le territoire. Donc on salue toutes celles et ceux qui œuvrent. Voilà, exactement. Celles et ceux qui œuvrent pour notre jeunesse. Voilà, exactement. Et d'ailleurs, en parlant de jeunesse, on en a beaucoup de jeunes sur le terrain aujourd'hui, même du côté de Tiga comme du côté d'Yengen Sport. On voit des jeunes rentrer dans le 11 côté Yengen, Ryan Oué, Nelson Kai, voilà, toute cette génération qui arrive et qui prendra le relais de Miguel Carrera, Bertrand Kai, encore présent sur le banc. Bertrand Kai, aujourd'hui, on va suivre cette action, mais en tout cas, voilà, cette génération de Bertrand Kai, Miguel Carrera qui accompagne maintenant les jeunes passer le flambeau à un moment donné. Et puis du côté de Tiga, Oui, et puis ils sont toujours performants. Voilà. L'idée, c'est aussi, en ayant parlé aussi avec Bertrand Kai, c'est d'accompagner la jeunesse à un moment donné, à prendre le relais. Voilà, c'est les générations se suivent et les discours et les compétences sont transmises de génération en génération, du côté de Yengen Sport comme du côté de Tiga Sport. On le voit, un bon mélange aussi du côté de Tiga. On voit des Joël Wakanumone, des jeunes, des plus jeunes comme Louis Soya, etc. Intéressant. Super ballon, ouais. Deuxième poteau. Miguel Carrera. Oui, petit crochet bien fait. Un relais avec Jordi Goni, en une touche, c'est mal donné, le ballon qui a topé au sol. Et on le voit. Bien joué de la part de. En fait, le. Émile. Versement de jeu encore. Et il y a de l'espace avec Oué. La frappe d'Oué, contrée par Loïc Wakanoune, le capitaine de Tiga. Et encore un, vous voyez, un Bruno Yaim très très haut. Et regardez les espaces en compte. C'est là où Tiga n'arrive pas à en profiter pour l'instant. Non, ils n'arrivent pas justement à la récupération du ballon, de pouvoir exploser, aller très vite et aller vers l'avant pour mettre en danger l'équipe de Yengen. C'est difficile pour Tiga Sport pour l'instant. Il y a l'image de Louis Boya là, Beroune, qui se bat pour. Continue à mettre Yengen Sport en difficulté. Récupération de Joël Wakanumune qui obtient la faute. Oui, bien arbitré par Monsieur Reboul. Donc on rappelle que ce match est aussi à suivre sur la chaîne YouTube avec une qualité HD plus importante que sur Facebook. C'est pour vous permettre simplement de mettre les matchs sur vos écrans. Vous branchez l'ordi sur les écrans. Jeu, bien joué Emile. Chope le ballon à Jean-Jacques Béarounet. Ouais, il est partout en ce début de match. Enfin, ce début de match, en cette première demi-heure de jeu. Et donc, oui, je le disais, sur la chaîne YouTube, on peut se retrouver donc pour. Voilà, vous branchez John votre ordi en HD émission à l'écran, et ça permet de voir le match en famille. Et en meilleure définition. Voilà, exactement. Donc, vous avez le choix, YouTube, Facebook. Ça sera le cas sur les trois prochaines, enfin les deux prochaines journées, enfin sur ces trois journées de playoff en tout cas. Allez, Miguel Carrera. Ouais, il est très loin. Ouais. C'est Bako qui. Celui qui vient fermer. Qui vient fermer, comment il s'appelle Bob. Jean-Pierre Bob. Jean-Pierre Bob et Loïc Wakanumune est trop loin. Trop loin de son latéral droit.
Eh bien joué la Bob, en tout cas là avec une belle situation peut-être. Où ce bon ballon et la couverture de Joe Attalé. Quel retour de Joseph Attalé. Défendu. Ah, par contre ce ballon là maintenant. Frappe, oui, il était plus dans ses précipité, cages. Précipité, il aurait dû prendre son temps de s'appliquer sur sa frappe, de mettre son corps correctement en fonction du ballon. Et il avait le vent avec lui. Profiter de l'erreur de Rokil. Wow. Ronald Urégué, un jeune joueur, prometteur pour Tigasport, ce jeune Aine Urégué. Ah, on rappelle John que Tiga a fini l'équipe qui a fini premier en phase régulière, donc en phase aller avec 29 points, un point juste devant Yengen. Ces deux clubs qui s'étaient affrontés le week-end dernier avec la victoire de Tiga 3 buts à 1 du côté de Boeva. Avec une équipe de Yengen qui arrive revanchard, ouais. Même si c'est vrai qu'il y avait énormément d'absents du côté des deux camps la semaine dernière. Yengen Sport qui obtient une touche. Donc dégagé par Loïc Wakanumune. Le public du stade de Nouma Dele qui arrive progressivement. Ça y est, petit à petit, le stade qui se remplit. Bon, après, on est un peu navré, John, de ces horaires de match. 13h. Bon, déjà, il y a beaucoup moins de public où ça arrive tout doucement, on va dire en retard, parce que 13h, c'est l'heure de manger pour beaucoup, surtout un dimanche. Et puis, il y a ce côté forcément des 22 acteurs qui fait chaud aujourd'hui. Hein. Ouais, il fait chaud. Ça cogne en bas sur la pelouse. Bon, malheureusement, il y a des problèmes d'éclairage au stade, donc on n'a pas forcément de marge de manœuvre au niveau de la programmation des rencontres. Donc on fait avec, mais voilà, on espère que ça pourra être vite débloqué pour voir des matchs à des heures un peu plus adaptées, si vous voulez. C'est dur de mettre du rythme quand il fait chaud là à cette heure-là. Ouais. Organismes... C'est pour les deux équipes pareil. Ah oui. Donc après. Et ça sera aussi au tour de Magenta et Passo de jouer à 13h sur les deux week-ends prochaine. Qui arrivent. Le week-end prochain. Je ne sais pas si c'est la première fois qu'il joue dans l'axe avec Émile Béarounet, Joseph Attalé. Non, ça a... pas mal. Ça a été déjà testé par Félix Tagawa le passé, avec un Joe Attalé. Attention, on va suivre avec ce bon ballon qui va revenir vers le gars. Il a frappe contrée. Ouais. La relance en très rapide dans le voie de Rockini Kane. Quel contrôle de Miguel Caillera. Et bon retour de Jean-Pierre Bob. Ouais, Joe Attalé. John qui est un joueur assez polyvalent dans cette équipe de Yengen. Il a joué tous les postes, je crois même latéral, il a fait la Coupe du Monde au Qatar, il était latéral. Il a fait milieu offensif. Mais c'est un polyvalent. C'est un joueur polyvalent, il était aussi à Wedge chez Magenta, mais on l'avait quand même moins vu à ce poste de défenseur central. Ah, il y a quelques petites erreurs, mais ça va. Émile Béarounet, il est là pour rattraper les. Ah, comme là. Et il aurait dû reculer avant pour recouvrir. Et ouais, attention, l'Ouest, il a pris le dessus. Voilà la parade de Rockini Kane. Moi, c'est plus. Voilà, première confrontation gagnée par Rockini Kane. Attention, c'est pas fini. Avec Béarounet. Il rentre dans la surface, pas de faute. Attention, ça va partir là encore. On va le récupérer. Ça part côté gauche. Jeu très direct, très vertical de Yengen Sport. Belle défense de Jérémy Dokunengo, impeccable avec Bako. Décale là-bas Jean-Pierre Bob. Ah, il est. Béarounet. Il y a un peu le feu dans la maison bleue. Ah, il n'y a plus personne à droite. On voit la droite là-bas. Jean-Pierre Bob. Ah, il s'appelle Loïc Wakanumune. Il est trop loin là. Si Jean-Pierre Bob il perd le ballon, il n'y a personne pour assurer défensivement. Heureusement, il ne l'a pas perdu. Il l'a bien donné vers Célé. Célé, attention avec sa frappe du gauche. Écrasé. Là, ça va. Mais après, il y a d'autres actions qui vont arriver. La fatigue, elle va se faire sentir. Donc, il va falloir. Là, c'est les comportements qu'il faut adopter dès le départ. Coulisser, aller ensemble et les lignes serrées, proches. La notion de bloc. Pas tirer les lignes, attention, ce ballon perdu. Le retour, il s'est fait peur.
Et d'ailleurs, John, on a le même problème. Joseph Attalé, voilà. On a le même problème du côté de Yengen, j'observe depuis tout à l'heure. Ils ont du mal à serrer dans l'axe les deux latéraux, Bruno Yanem et Jean-Luc Décoré. Il faut faire attention, parce qu'on voit souvent Émile Berounet et Joseph Attalé un peu esselés sur les longs ballons. Oui. Tigasport, pour l'instant, joue mal le coup, mais s'ils arrivent à bien jouer le coup, ça peut faire mouche. Hein. Ils peuvent égaliser ou espérer mettre en danger cette défense de. Alors c'est là, ouais. L'importance des milieux devant la ligne de 4, c'est de pouvoir savoir compenser quand il le faut. Ouais. Et ça, c'est aussi beaucoup de communication entre le. Bon, ça va être Trajanoé plus à gauche avec Yanem et Décoré avec Yentao. Mais c'est important parce que c'est un défaut assez récurrent chez cette équipe de Yengen, qui est une équipe très offensive. Trouver le juste équilibre. Attention. Ouais. Berounet encore là. Ils n'arrivent pas à s'en sortir. Retrouver les milieux de terrain, Willy Ntao notamment qui avait bien posé le jeu là sur les 20 premières minutes, qu'on ne voit plus trop dans cette fin de première période. Et on est à 10 minutes la fin du temps réglementaire, toujours 1-0 avec ce bon coup franc John inscrit par Joseph Attalé. Bon centre dans les. Alors quand on est coach John, c'est vrai que c'est des matchs un peu différents qu'on aborde avec cette formule donc en 3 journées où quelque part le faux pas est interdit. Ah bah là c'est un mini championnat qui joue sur 3 semaines et on n'a plus la formule championnat sur une année où on peut essayer de retravailler. Combler les manques, là, ça, sur 3 semaines, il va falloir faire les bons choix, mettre la meilleure équipe qui soit sur le terrain. Et pour l'instant, les deux formations se débrouillent pas mal avec le temps qu'il y a, la chaleur qu'il fait. Voilà, Yengen Sport montre quand même un petit avantage, ça se voit au score. Ah, petite sucette de la part de Yen Tao. Formule donc qui a été choisie par la nouvelle direction de la Fédération calédonienne de football emmenée par Gilles Tavergeux, le nouveau président. Et en tout cas, on verra 3 week-ends passionnants, quoi qu'il en soit. Et on devrait donc. Et on va revenir une formule régulière l'an prochain avec 13 équipes. Je vais y venir avec ce superbe geste. Grand pont sur un contrôle orienté de Wes Wyatt, tenté heureusement. Belle couverture de Joe Attalé. C'est des longs ballons comme ça. Ça fatigue les attaquants. Ça. Il est très pesant, le Wes Wyatt. De toute façon, dans son rôle de pivot d'avançant, très très intéressant, le jeune Wes Wyatt. On voit bien, ils sont proches quand même. Joseph Attalé sur la gauche. Techniquement c'est léger le Kokanamouni. Il y a beaucoup de ballons parce que techniquement ça encore. Bon. En tout cas elle a bien trouvé avec maintenant l'Ouest Wyatt, la frappe de Wyatt. Et attention, pas de faute non. Ouais, encore Emile Berounet en pompier de service. Mais il est droitier, il a poussé le ballon pour son pied droit, en sachant que l'adversaire était sur son côté droit. Il l'aurait poussé pour son pied gauche, il aurait. Toute sa partie droite du corps pour protéger son ballon. Attention, parce que là ça se découvre du côté d'Yengen Sport et Bruno Yanem, c'est là, il va falloir être proche. On est un peu sur le fil défensivement. C'est un défenseur central. Il y a un gros écart entre les lignes du côté de Tigasport. Attention. Tao. Et ça sort c'est pas. C'est rare ça dans un match de foot. En tout cas le ballon qui n'est pas sorti. Oui, à l'entrée de la surface. Ils sont trop loin. Les défenseurs centraux sont trop proches. Et donc le défenseur central à droite, donc le Kwakalmouni est trop loin de son latéral droit. Le rappeler, essayer de communiquer. Là. Il n'y avait personne, John a la tombée, forcément. Personne et voilà.
Ryan Way qui ne se fait pas prier, qui envoie un missile dans les cages. Voilà, c'est à la 40e minute, à 5 minutes de la fin, c'est pas. Ça arrange pas les affaires de Tigasport. Maintenant, ça fait 2-0. Défensivement, c'est. Mais c'était deux tout seul à la tombée hein, sur ce. De, tout seul, les lignes, je l'annonçais, les lignes étaient vachement trop éloignées entre les défenseurs et les milieux défensifs. Ils étaient trop loin, les milieux défensifs et les défenseurs, ils étaient esselés, ça s'est vu. Hein. Ballon à la retombée, un joueur esselé, puis boum, il contrôle et frappe. 2-0, le break est fait, il va falloir pour les protéger. Et le coach Pierre Wadjoka, allez, rester dans le match et trouver les solutions, ne pas non plus se précipiter. Trouver le bon équilibre pour revenir loin, à cette rencontre. Il est trop loin Jean-Pierre là-bas. On voit à droite, faut qu'il aille plus vite, qu'il se replace plus vite, faire la couverture de Loïc Wakanumune. Là, il est trop loin. Et Loïc, faut qu'il l'appelle, c'est le capitaine, faut qu'il organise cette défense, faut qu'il soit le chef derrière. Ouais, certainement des réadaptations, des réajustements qui vont être faites à la mi-temps par Pierre Wadjoka et puis les cadres de cette équipe, Loïc Wakanumune, Jérémy Gojo, poser le jeu, Georges Berronet. Chaque fois qu'ils ont le ballon, il essaie de la mettre devant. Quoi. Oui, voilà. Et puis ils ont ces qualités de fournir du jeu, justement, cette équipe. Louis, il part vers le banc, là, il a la tête baissée, il a envie de boire, il a soif, il est fatigué, là. Comme tous les autres. Mais lui, encore plus, l'attaquant, c'est le joueur qui fait le plus de courses. À faire des appels, encore des appels, des contre-appels. Sans cesse, sans cesse, sans cesse. Pour donner des solutions. Un ballon vers Décoiré, couverture avec. Bien faite de Georges Berronet. Un bon match, Georges Berronet. Sur son côté, ça passe pas. La paire de gauche, là, elle est pas mal, Jérémy et Georges. Après, Joël, il faut qu'il soit plus présent sur son. Défensivement et surtout offensivement, il a loupé pas mal de relances, Joël. Il a été vraiment approximatif sur ses relances. Voire, il a perdu pas mal de ballons. Ah, on voit, on n'arrive pas à trouver Richard Sellé dans les meilleures conditions. Difficile. C'est des ballons qui sont difficiles à proposer le jeu. Toujours des longs ballons devant, ils savent pas quoi faire en fait. Et la relance impeccable de Berronet avec ce ballon vers Gana Poulaoua. Poulaoua, c'était limite. Belle intervention de Jérémy Dupré. Juste bien. Voilà, encore un ballon. Arlo Essoya. Après, il est scellé, faut apporter. Là, les lignes, elles sont trop. Elles sont pas assez serrées, les lignes. Tigasport, voilà, il est tout seul au milieu maintenant, tellement que les lignes, elles sont éloignées. Et ça les. Les milieux, ils ont le temps de se réorganiser maintenant de Yengen. Un bloc est tiré. Exactement, c'est ça. Et c'est reparti. Et Yengen qui en profite bien, hein, avec ce bon centre de Yentao, il n'y avait personne qui était opposé. Mais on voit aussi Ganel Poulaoua devant qui multiplie les courses. Un écart trop important entre les deux joueurs. Là, la paire droite là-bas. Défensif dans l'axe. Attention, ce retour. Là, il y a un grand espace sur le côté. Le centre. Heureusement, il lui dit, Joseph Attali, il faut venir couvrir ces espaces dans les couloirs. Là. Je disais que si c'est pas le latéral droit, ça peut être le milieu qui vient compenser. Là, le latéral droit, il est monté. Joël, il a bien joué le coup. Bon, après, il était hors jeu. Berronet, Jean-Jacques, mais attention. Hein. Maintenant, il mène. Yengensport mène 2-0. Ça dépend de ce qu'il veut faire, Félix. S'ils veulent conserver ce sport, maintenant, il faut rester en place. Conserver le score, c'est garder ses positions, jouer juste, se déplacer correctement. Attention, maintenant, il y a 3 contre 2. De contre 1, s'il arrive à prendre ce ballon. Okay, encore, ça veut jouer très vite vers l'avant. C'est Jean-Jacques Berronet, il n'avait pas vu là-bas à l'opposé Sellé, mais je le dis à chaque fois que Yengen monte au niveau des côtés sur ses latéraux, il y a vraiment de l'espace à exploiter pour Tigasport.
Ouais, c'est la 44e minute, il fait chaud, le temps il est lourd. Donc après, la lucidité, elle est moins vraie à ce moment de la première mi-temps. Il reste 30 secondes avant les arrêts de jeu. Cette première mi-temps où Yengensport mène toujours 2-0. Attention, frappe bien captée par Ipézé. Riska. Allez, donc une Engo. Un ballon super. Hop là. Et là, Reboul, monsieur Reboul qui intervient. Attalé là, il a fait. Je pense qu'il était en retard. D'une part, il devait être fatigué. Donc, il a un geste spectaculaire, mais. Un peu raté le ballon. En tout cas, on est dans le temps additionnel. Le karaté, ou je sais pas ce qu'il a fait, mais. Ah, on est dans le temps additionnel. Et 2-0. Yengensport, pour l'instant, entame parfaitement ses playoffs 2020. On rappelle donc aux alentours de 15h50, on reprendra l'antenne pour le second match de la journée. Entre l'Horizon Passau et l'AS Magenta. Passau, l'outsider un peu de ses playoffs, qui va essayer d'aller créer la sensation. Oh là, attention, c'est le prolonge. Oh le grand pont. Nelson Kay a frappe enchaînée. Pourquoi il laisse passer? Et là, faut que Loïc, il aille accompagner l'espace. Attention à cette fin de première période. Yanem en percussion, il n'y a rien. On a du mal à s'en sortir. Oli Yentao dans la surface. Yentao avec Nelson Kay. Yentao, il demande des solutions dans l'axe. Et Napoulawa, il a dégagement catastrophe. Richard Sellé qui est resté sur la gauche là-bas, qui n'est pas venu défendre. Il faut tout le monde. Là, ils regardent tous, là. Les petits gars, ils sont en train de regarder. Là, à droite, il est tout seul. Alors, pour ceux qui ont vu PSG Bordeaux ce matin, on était un peu dans les mêmes situations de l'infériorité numérique sur la seconde période. Avec des replis défensifs, des transitions défensives délicates. Des deux côtés, du coup, on a l'impression que sur chaque offensive, il y a énormément d'espace des deux côtés. Des deux côtés, exactement. Mais celui qui exploite le mieux ces espaces, c'est Yengen. Voilà. Récupère le ballon, Tiga, ils peuvent. Il y a pas mal d'espace. Et super bien joué. Et maintenant, avec contrôle de Louis Soyal, Louis Soyal, ou la petite femme. Louis Soyal, il va pouvoir décaler sur le côté. Richard Sellé, la frappe. Et le poteau qui vient sauver Yengensport. Ils sont pas assez proches de lui. Poteau intérieur, John. Quelle action. Ça aurait été idéal pour l'équipe de Pierre Wadjoka de revenir juste avant la pause. Revenir à 2-1, ça aurait été intéressant pour Tigasport, mais là. On voit, il se tient, on voit pas à l'écran là, mais. Fait du bon travail l'Ouest. Après, il faut être avec lui, il faut être proche de lui, il faut l'accompagner dans ses efforts. Et là, il avait décalé idéalement Richard Sellé, le pied gauche, qui est venu lancer le poteau. Voilà, on a vu 45 premières minutes animées finalement, John. Et puis certainement les mots qui vont être importants et les réglages à venir de Pierre Wadjoka qui devront faire la différence du côté de l'équipe de Tokanot, parce qu'il y a deux buts d'avance, de retard à rattraper. En tout cas, Yengensport, lui aussi, hein, Félix, il va falloir qu'il fasse attention, il mène au score. Est-ce qu'il faut continuer ses latéraux de monter, d'apporter offensivement à son attaque? Je ne sais pas, on va voir ce que Félix va faire à la mi-temps pour recadrer son équipe. Voilà, on va se quitter quelques instants. Il y aura à la mi-temps la remise du trophée du meilleur buteur de cette phase régulière, Germain Ewegene de l'AS Wedge, 12 buts à son actif. On le salue et on le félicite, Germain Ewegene qui va. C'est 12 matchs, 9 buts. 12 buts, 9 matchs. Pour Germain Ewegene. Cartonné sur cette phase allée. Donc il va être. On va lui remettre un trophée. À la mi-temps, on revient dans quelques instants, le temps de souffler un peu tous les deux, John. Et puis on se dit à tout de suite pour la suite de cette belle journée de playoff.
Merci. Merci beaucoup. On va le revoir encore tout à l'heure. Merci. Je suis toujours avec Germain. Germain a éliminé le meilleur buteur de la Super League. On va faire, on va procéder au tirage. On a des petits lots offerts par nos partenaires, Mobile, Calédonia, PSC. Donc Germain qui va tirer une série de numéros, on va vous appeler. Le numéro 180-60. 180-60. Donc vous venez vers nous. Vous avez un petit cadeau. Un ballon, un survêt, une chose de chaussure. Voilà. 180-60. Le numéro 180-04. Le numéro 184-82, 18 482. Allez Germain.
Allez, on est de retour au stade Nouma Dele. John, une seconde période où Tigard va devoir rattraper son retard. Et puis, on a parlé d'équilibre sur cette première période. Il va falloir trouver les bonnes hauteurs de ligne, un bloc un peu plus condensé, du contenu un peu plus... Mais là, il va falloir pour Tigasport, avec cohérent, s'ils viennent avec de nouvelles intentions, mais c'est de ces intentions d'être, d'avoir une rigueur au niveau des déplacements, une rigueur au niveau des distances. Et c'est reparti, en tout cas, il y a deux buts à remonter. Et on a vu ce poteau de Richard Sely juste avant la pause, qui aurait pu remettre Tiga dans le bon sens. Yengen a su profiter. Des espaces aussi sur les côtés, on l'a dit sur cette seconde période, pour aller inscrire ces deux buts. Prendre donc une belle option sur une première victoire dans ces playoffs Mobile Super League 2020. Donc c'est reparti, premier long ballon. Alors on est, je le rappelle, en direct sur la page Mobile Super League Facebook, et puis on vous propose également suivre la rencontre sur YouTube FCF TV. On espère que ça marche au niveau de la qualité, parce que YouTube permet une meilleure qualité, un meilleur rendu. En tout cas, on dit que ça marche du côté du Sud Géo. On les salue là, le club de Géo, qui regarde le match avec attention. Mais vous êtes encore nombreux et nombreux sur Facebook. Conduit par Joël, il le récupère bien, il est bien placé. Techniquement, pareil, hein, Joël, c'est léger. Ah, c'est rare quand même de voir Joël perdre des ballons dans ses transmissions. Là, sur ce match, c'est vraiment léger. Il a perdu la plupart de ses ballons, je crois. 70% de ses ballons, hein, sur la relance, a été rendu à l'adversaire. J'ai l'impression que Joël va jouer un peu plus bas, justement, à Wakanamune. On va suivre ça. On va voir si Pierre Wajoka inverse un peu la pointe du triangle au niveau du milieu de terrain. Tout à l'heure, ça allait, ils étaient avec le vent. Maintenant, ils sont contre le vent. Les lents ballons, là, ils vont être de moins en moins précis. S'ils ne trouvent pas une autre alternative, le jeu au sol. Ça passe pour Miguel Cayara. Attention, là encore, hein, tu vois. Quel match il fait encore Miguel. Wakanumune est trop loin de son latéral droit. Yentao. Faute. On a vu. Vraiment qu'il ait une couverture, Jean-Pierre Bob. Il était proche de Cayara. Il s'est fait. Embarqué par Cayara, Miguel. Miguel, avec son poids, a profité de son poids, justement son corps, pour enrhumer le défenseur. Voilà. Il fait un match vraiment encore très intéressant, le capitaine de Yengen. Justement, cette faculté à conserver le ballon et à jouer juste. À Joseph Attalé avec le vent. Pourquoi pas un doublé sur Confran. 30 de mètres. Eh bien, c'est tenté. Pour revenir aussi côté des playoffs du Sud qui se sont joués hier, parce qu'il y aura, donc je le disais, une Super League, Mobile Super League, qui passerait à 13 l'an prochain, 13 équipes, avec les 3 champions provinciaux, et notamment des playoffs qui ont débuté ce week-end du côté du Sud, Gaïcha et Saint-Louis qui ont fait 2 buts partout, Saint-Louis qui tenait sa victoire hein, jusque dans le temps additionnel, et puis in extremis, Gaïcha a su égaliser, tandis que ça s'est moins bien passé pour l'Olympique face à Dombé AFC, défaite 6-0, les Olympiens qui ont quitté le terrain à 20 minutes de la fin, donc on n'était pas là-bas, on sait pas trop ce qui s'est passé, mais en tout cas Dombé a gagné sa première rencontre, mené 6-0. Ils sont bien partis pour espérer faire partie de la Super League l'année prochaine. Dombé A, ouais, pareil, ça va jouer sur ce mini championnat à 4, donc Dombé A, Saint-Louis, et Gaïcha qui Gaïcha. Sont olympiques, qui a brillé un joker de la part du petit Ronaldo. Bien joué là, Jean-Pierre Bob, qui relance avec Joël Wakanumune. Voilà, ils reviennent encore. Oui, Wakanumune qui renverse le jeu. Attention, il y a du vent là,
pour inverser le jeu, mais il faut accompagner, voilà, faut que Jean-Pierre Bob il accompagne. Je le disais, voilà John, on voit bien à l'écran, Joël Wakanomoni qui est passé en sentinelle. Et il me semble que Pierre Bacot passe à droite, donc c'est on inverse la pointe du trio, il me semble. Hein. Voilà, c'est bien ce qu'on voit là avec Reynald Duréguey. J'ai l'impression qu'il joue à deux derrière, enfin Reynald deux au milieu défensif, à droite voilà. Bacot et à gauche Joël. Exactement. Et devant eux. La pointe haute, Reynald Duréguey. Reynald Duréguey. Alors vous l'entendez peut-être dans les micros par moment, il y a beaucoup de vent sur la capitale à Nouméa et on voit que là ça souffle dans le sens contraire de Tigasport. On va voir sur ce couffrant de Emile Béarounet, avec le vent ça va jusqu'à là-bas. Attention, c'est Poteau et là une belle situation avec Wakanomoni qui lance. Jean-Jacques Béarounet, encore la couverture d'Emile Béarounet. C'est des ballons hauts, flottants, c'est. Pour un attaquant, c'est difficile. Par donner des ballons plus propres que ça, plus faciles à exploiter. Voilà. Et la prise de balle impeccable. Et il va aller le chercher. Et vers Ganel Poulawa qui se bat. Ganel Poulawa qui ne touche pas beaucoup de ballons, je peux vous dire qu'il fait un travail démentiel devant. Il est... Que des longs ballons, il n'arrête pas. Pierre Bacot, il faut qu'il change de. Ouais, là, je crois que c'est bien fait mal, là, le petit Reynald Duréguey. Ouais, dans son élan, pour les Ganel, il y a... Ça va. Il se relève, il est solide. Et 2-0, donc toujours pour Yann Gainsport. Rappel les buteurs. Joseph Attalé sur coup franc à la 8e. Et puis Ryan Oué, jeune Oué qui a la 39e minute, a propulsé une frappe dans les filets de Gaïska Ipézé. Côté Tiga, c'est un retard de deux buts à combler. C'était ça déjà. Mais... Oui, oui. Deuxième poteau avec Nelson Kai le contrôle. Très bien joué de la part de Georges Béarounet. Attention, il faut que ça aille vite. Oh le bon ballon, oh le bon ballon. Avec l'Ouest-Roya, avec quel retour d'Emile Béarounet. Oui. C'est pas fini, l'Ouest-Roya. Le crochet, il revient un peu sur lui-même. Lui. Oh, il est complètement esselé. Et c'est pas fini avec la frappe. Encore une fois Richard Sellé. Ça, là ça s'est vu hein, pas à l'écran peut-être. L'Ouest-Roya a récupéré, a eu le ballon. Derrière, ils étaient tous à regarder les joueurs de Tigasport. Ouais, il faut accompagner, il faut aller donner la main à ce joueur qui se dépense et qui fait des appels pour mettre en difficulté cette défense de Yengensport. Ah, il est en train de se mettre en difficulté tout seul, attention. Et ça passe avec peut-être Joël Wakanomoni. Oh, la petite passe pour... Oh, comment on peut rater ça, c'est pas possible. La frappe maintenant, la parade de Nikkei, c'est pas fini. Incroyable, raté de Tigasport. Mais comment... Attention, parce que derrière, ça va être oui. Aussi. Comment ils ont fait pour rater cette occasion. Ah, ils se sont pris à trois fois. Joël Wakanomoni qui a décalé et... Joël et ouais, là, c'est peut-être bien joué. Mais en tout cas, faut que ça aille au bout. Mais il faut que ça aille au bout. Faut que ça. Faut et quel arrêt on va noter aussi double arrêt de Rocky Kane. Parce que c'est peut-être aussi bien joué de la part du gardien. Il a gagné ses confrontations. C'est vrai que là, peut-être Pierre Wadjoka, ça doit bouillir parce que rater les actions pareil. Ouais. C'est dans ces playoffs où on le disait tout à l'heure, les faux pas sont pratiquement interdits et en étant mené 2-0, c'est pas des actions à rater. Mais non, bon, non, non. Alors, ça arrive et puis il va falloir continuer à y croire. On l'a vu, il y a attention, de l'espace j'espère et du temps. Second poteau.
Gasp. Que Yengen s'en sort bien et encore un rookie. Il s'en sort bien parce qu'il faut une erreur. Hein. C'est une erreur de, de transmission là, que récupère Joel Wakanumune. Il part au but. Bien joué la passe en retrait. Après, bah, le gardien aussi bien joué. Attention, il va falloir rester concentré. Les joueurs de Yengen, ça va leur donner confiance. Hein. Si Gaspard n'arrive pas à marquer. Ils vont s'en vouloir de cette action parce que ça relance le match. On joue à la 55e minute de jeu. Mais John, rien n'est encore fait. Je pense que Félix Tagawa il le sait aussi de son côté. Il faut que Tiga y croit. Il faut que Yengen reste dans la gestion, mais une bonne gestion, disons. Il laisse l'avantage. Gestion du score. Mais alors ce qui est étonnant, c'est que bon, Joel Wakanumune n'a pas l'habitude de se retrouver en un contre un face au gardien. Mais là, il avait, avec sa fin de frappe, il avait mis à terre Rocky Nikane. C'est pour ça que on n'a pas trop compris. Il avait fait le plus dur, en fait. Et après, bon, après, c'est pas mal fait. Et le problème, c'est que Louis Soya, ensuite, il y a le retour héroïque. Il me semble que c'est Joseph Attalé, déjà, qui compte le ballon. Et après deux parades exceptionnelles, ils sont pas vernis, c'est Retiga là-dessus. Enfin, on reste à 2-0. Il faut qu'ils continuent, Ils sont, ils sont plus hauts sur le terrain, ils sont plus haut, sur les deuxièmes ballons. Trop bas. Joel Wakanumune est un peu plus haut, même en ayant été reculé entre jeux. J'ai l'impression qu'il joue bien plus proche de Louis Soya et de ses attaquants, donc c'est intéressant. Ouais, qui coulissent en bloc et ils aillent tous ensemble. À l'échauffement, Bertrand Cagne, on l'a vu, et notamment, et Antoine Roiné qui fait son retour. Donc c'est bonne nouvelle pour Yengen Sport et le football calédonien. Antoine Roiné qui avait été durement touché en coupe. Georges Berrouné, la tête, la barre transversale, c'est pas possible. La frappe et la parade, mais décidément. Ça ne va pas rentrer. Tête de Louis Soya. Louis Soya, la tête de Louis Soya, ouais. Il me semble. Attention, attention, attention par contre là. Enclenché ce. Attention, ça repart. Non mais là c'est. Ils sont en train de regarder le jeu, les joueurs de Tigal. Centre, second poteau, c'est trop long. Le centre, il est mal. Là on était. Tout proche à nouveau du 2 buts à 1, mais on en reste bien 2-1. Mais... faut qu'il joue simple au sol. Il n'arrête pas avec ses longs ballons. Pierre Bacco. Pierre Bacco. Et... Ah, et là, en tout cas, faut qu'il accompagne après, hein, quand il donne des ballons comme ça, on le voit marcher. Là. Petit ballon dans l'axe. Et l'intervention, ça c'est bien fait de Jean-Luc Descoir. Et... ça passe pour le jeune Jean-Jacques Berrouné. Allez, on voit une belle seconde période. Qui se bat bien. Et Tiga qui n'a pas dit son dernier mot, c'est bien. Exactement, qui n'a pas dit son dernier mot. Renversement de jeu vers Célé, Richard Célé. Le petit crochet, la frappe de Célé, enchaîné. Sorti. Il donne de bons ballons, le petit Pierre Bacco, mais après, il faut qu'il accompagne. Et il regarde trop ses ballons partir. Campagner, soutenir ses joueurs. Et Yengen Sport qui en... sont en difficulté là. Là je pense que les latéraux ils vont faire moins de montée et plus rester à leur poste pour défendre au mieux. Parce que là, les assauts de Tiga, il y en a. Il y en a là.
Ouais, c'est pour ça que ça accélère au niveau de l'échauffement de l'autre côté du terrain avec Charlie Boinou, l'adjoint emblématique de Félix Sport et de Fefe, Félix Tagawa. Je crois qu'il appelle un joueur d'ailleurs, Félix Tagawa, au bord du terrain. Attention, attention, attention. Et ça passe, ça passe, le centre-tir. C'est dommage que c'est mal joué, Lionel Poulawa et Miguel Caillat arrivaient lancés. Ouais, ils ont fait le même appel. Il fait beaucoup de courses, en tout cas Jean-Luc Décoiré sur son côté, c'est attention bien. Attention à droite, il faut revenir parce qu'il est tout seul avec Charcellé là-bas. Et la faute de Houé, on va dire une faute intelligente. On ne voit pas, mais sur la droite de la défense de Yengen, mais Charcellé ne bouge plus. Il est là-bas, il ne défend plus. Il se fait oublier un peu. Il se fait oublier un peu, mais c'est peut-être... C'est bien fait. La réduction du score, enfin. Côté de Tigasson, l'Ouest Roya, le match relancé. Mérité, hein, c'est... Au vu de cette seconde période, on sentait effectivement John Yengen Sport tout proche de la rupture. Il va falloir se reprendre du côté des hommes de Félix Tagawa, car il y a eu quand même deux alertes énormes avant cette réduction du score. Et deux grosses alertes. Et il va falloir que Yengen Sport... On retrouve de l'équilibre. Et on le sentait venir. Je pense que Félix Tagawa, il avait justement appelé un joueur là. Peut-être un changement tactique à venir. Je vois Joris Gorandiaoui qui se rapproche du banc. Et voilà, je pense qu'il l'a vu avec son œil d'expert, Félix Tagawa. Que ça commence à prendre l'eau sur les côtés. Il va falloir consolider tout ça. Alors ça peut passer par un replacement de Willy Yentao dans la ligne de 4, ça peut être l'entrée de Joris Gorandiaoui, ça peut être pas mal de choses, mais en tout cas on a besoin, on le sent du côté des nordistes, d'un peu de... Voilà, ça tire je crois du côté des latéraux là. De renouveau. Ouais, mais parce que... C'est ça, ils font beaucoup de courses aussi, j'ai envie de décorer. Ils font beaucoup de courses, mais il faut tenir avec j'ai pas trouvé. On a aussi le manque là de Cédric Sanso pour rabattre les ballons au milieu de terrain, on le sent. Hein. Là c'est une phase qui est assez compliquée là pour les sports parce qu'ils subissent. Temps faible, voilà, comme on dit, dans le jargon. Et bon, ils mènent toujours. Hein. Ils mènent toujours 2-1, donc... Ouais, ils ont le match pour eux, ils ont des situations en contre, on voit des situations intéressantes. Ah, c'est... Rouné, second poteau, ça pousse du côté de Tigasport. On le voit encore Joël Wakanouné beaucoup plus haut, beaucoup mieux dans cette seconde période. Et il obtient un coup franc. Pierre Bacot, ce coup franc. C'est bien parti, la parade. Super coup franc de Pierre Bacot. Super coup franc. Super arrêt. Super arrêt de Rockini Kane. On s'ennuie pas, John, dans ce match. On a des actions. Deuxième mi-temps qui est parti sur les chapeaux de roue avec Tiga qui domine ce premier quart d'heure. Cumule les assauts. Malheureusement, ils n'ont pu que marquer qu'une seule fois, alors qu'ils auraient pu marquer à 2-3 reprises. Mais bon, ils continuent de... Ce coup de pied de coin, ce corner qui revient maintenant dans la surface. Bien joué. C'est là où c'est important aussi, John, au milieu de terrain, Yengen, du côté d'Yengen, reposer le ballon. Mettre le pied sur le ballon, reposer le jeu un peu là parce que on perd beaucoup trop vite le ballon. Là, ça... On n'a pas le temps, c'est des vagues hein, rouges qui arrivent sur la défense de Yengen et ça commence un peu à tirer fortement. D'autant que bon psychologiquement Tiga là vient de réduire l'écart. Donc c'est dans le temps fort.
Allez, Jérémy Dokunengo. Allonge. Avec Richard Sellé. C'est bien fait, il décale Jean-Jacques Berronnet. Ça passe. Berronnet sur le côté, le petit ballon piqué. Superbe sauvetage de Coiré. En extension. Et bien joué ça, Jean-Pierre Bob, Loïc Wakanamone, c'est bien fait. Voilà, quand je vois comme ça. C'est ça quoi. Attention. Il a perdu son drapeau, le juge de touche. Non, voilà, quand ça joue court, vite, ça se déplace. Les lignes sont proches, ils peuvent mettre en difficulté Yengen. Dans ce genre de situation, de ce genre de jeu. Après, les balancer des ballons comme il fait au début Pierre Bacco, Loïc Wakanamune, ça n'a pas profité à Tigasport, ça profitait plus à Yengen. Et là, il commence à trouver un équilibre. Les joueurs de Tigasport et mettre en difficulté Yengen. On a vu Jérémy Dokunengo proche là de. Ouais, je pense que le choix de Pierre Wadjoka aussi va être intéressant. Ah, l'arbitre, lui, il n'a pas vu de cette aile. C'est touche pour les joueurs de Yengen. Même eux, ils ne s'attendaient pas à avoir la touche. Dans le bas de votre écran, le petit ramasseur de balle qui a perdu sa casquette, c'est pour vous dire aussi qu'il y a beaucoup de vent. Ça souffle. Beaucoup. Faire attention justement là. Alors, ça va être une longue touche de Ulien Tao. Il y a Émile Berrounet, on voit pas à l'écran, mais qui se plaint de sa cuisse. Longue touche. Attention. Et on se dégage comme on peut du côté du joueur de Tiga. Tony. Et c'est sa frappe, le petit ballon piqué. Corner. Là, il y a Bertrand Caille qui, on ne le voit pas pareil à l'écran, mais il s'échauffe, Bertrand Caille. Il est sur le banc, sur le corner de. On va pas tarder à rentrer, le goleador Kagou. Inusable Bertrand Caille, quelle carrière. Caille, alors attention au contre. Bien défendu. Un bon match. Le ballon il arrive, il a été un corner qui a été tiré sur le côté droit pour Yengen, côté gauche. Le ballon il sort, ils reviennent attaquer le côté gauche. Et ils perdent le ballon. Ouais, la sortie, premier changement côté de Yengen, la sortie de Genaël Poulawa. Ouais. Je le disais, a fait un peu un travail de l'ombre devant, il s'est démené pour multiplier les appels et peser sur cette défense. Il a fait un bon match, Genaël Poulawa, il laisse sa place à Bertrand Caille. Fatigable Bertrand Caille. Il va apporter un peu de fraîcheur devant. Après c'est vrai qu'au milieu là Yengen ils sont en train de subir. Il n'est pas beaucoup, il est pas venu avec beaucoup de milieu Félix. Hein. Ouais, mais sur le banc. Parce qu'on a. Il y a aussi Cédric Sanso donc pas là. Bah Joris là, Gorin Diaoué. Parce que Gorin Diaoué qui devrait faire son entrée alors que pour l'instant Yengen Sport mène toujours d'un but. Ah, il y a Guy Berrounet qui demande à sortir. On le voit, il s'est écroulé là à l'écran. Jean-Jacques Berrounet. Matelan qui se prépare sur le banc. Je crois qu'il y aura le changement qui va s'opérer là. Ouais, changement de demandé. C'est ça. Bon, en tout cas, on voit une belle fête du football à nouveau. On s'était vu le week-end dernier avec les finales de Coupe de Calédonie Jeune. Et la 9e journée de la Mobile Super League, fin de la phase régulière, phase aller. On se retrouve donc aujourd'hui pour les playoffs. On est ensemble 3 week-ends avec à mes côtés John Gobb pour vivre ces 3 beaux week-ends de football qui viendront clôturer la saison. Avec de l'animation au stade, la Fédération Calédonienne de Football a voulu animer ce stade sur ces 3 journées de playoffs. C'est plutôt une réussite.
On est content de voir le public présent ici. Un nouveau stade de Nouméa. C'est encore un ballon perdu, ça. On va rappeler John aussi. On va féliciter l'équipe de l'ASPTT, vainqueur 9-5 de l'Olympique hier, et celle de l'AS Université, victorieuse 4-0 de l'AS Wetsch en demi-finale de Coupe de Calédonie-Futsal. C'était hier. Ouais. Et la finale le 5 décembre qui sera à suivre également en live streaming sur la page, cette fois-ci, FC Foot Facebook. Voilà, on est sur tous les fronts. Et ah, c'est bien tant que le sport est au centre. Ouais, et puis le futsal mérite forcément aussi qu'on soit en live pour cette finale de coupe qui sera un bon moment de partage et une belle fête du côté de la salle Anewin normalement. On va 16h samedi prochain, donc on donnera toutes ces infos dans le détail dans la semaine. La sortie, tu le disais, de Jean-Jacques Béaronnet, donc et l'entrée de Morgan Matelon, poste pour poste. Poste pour poste, exactement. Morgan qui peut jouer un peu plus dans l'entrejeu. On n'a plus eu l'habitude de voir titulaire d'ailleurs Morgan Matelon cette saison. Ah. Ah, il y a du monde, ça veut dire qu'il y a de l'effectif aussi en qualité, quantité côté du club de Tiga. Ah, c'est bien. Alors, ça, le vent là. Le vent avec contre eux, ça permet à. Kane qui va sauver le corner. Et il le fait. Non. Bah non, c'est corner quand même. 70e minute, Romain est toujours 2-1 pour l'équipe de Jengensport. Et ouais, le chrono qui tourne en faveur de Jengensport, qui pour l'instant accroche ses 4 premiers points au classement, c'est les 4 premiers points du succès à Etika, donc il court après le score. Voilà, on voit Jean-Jacques Béarounet là qui boit. Corner, la tête et dégagement, catastrophe de Joseph Attal et contrôle de Georges Béarounet. Bertrand Caille qui se bat et bon retour de Georges Béarounet. Attention. Un très bon match d'ailleurs, Vaxa. Pour ce coup froid. Tiré, la tête captée par Rocky Nickel. C'est surprenant, mais alors les autres remplaçants de Jengensport sont rentrés au vestiaire. À part Joris qui est sur le banc. Ils doivent être sur le banc de touche à l'ombre parce que Joris. Il est sur le banc. Ouais, il va pas tarder à rentrer, je pense. Mais les autres doivent être sur le banc de touche qui est plus près de la tribune et à l'ombre. Ah, parce que je peux vous dire que ça cogne. Ouais, il fait même s'il y a du vent, donc c'est chaud. Pour ça que vous ne voyez pas les remplaçants sur le banc de touche, à part Joris là qui était dans votre écran et qui veut Florent Diaoué qui va tarder à rentrer, je pense. Attention, l'Ouest. Ouh, la vitesse de l'Ouest Soya, la surface de l'Ouest Soya. Magnifique ce retour, quel geste technique défensif de Bruno Yanem qui fait un bon match. Lui aussi, vraiment. Il aurait dû mettre encore en opposition et peut-être il y aurait eu faute, mais c'est bien joué. L'Ouest qui met en difficulté depuis tout à l'heure, et c'est lui qui a marqué d'ailleurs. Oui, oui, buteur à la 60e. Qui a mis une barre aussi. Richard Sellet qu'on voit moins, mais voilà, ça c'est pas normal. Ça. Les actions de but ou. Ça a tendance à énerver les coachs. À l'adversaire. Ah ouais, ça c'est. C'est assez rare. T'as pas mal de joueurs qui arrivent de derrière pour apporter un apport, enfin pour apporter offensivement. Donc. Et quand il y a ce genre de corner qui finit aux 6 mètres. Bon, ça décharge, c'est vrai qu'il y a du vent aussi, c'est pas évident, mais. Il va falloir ne pas. Griller les jokers qui vont arriver du côté de Tiga. De Joris.
Alors, la sortie de Delson Kay. Ouais, ils vont jouer dans le couloir gauche, donc en poste pour poste, mais beaucoup plus défensif, je dirais, Ndiaye, pour un peu boucher les couloirs, certainement, du côté de Félix Tagawa. Donc, restez bien avec nous. On se retrouvera pour la seconde rencontre Playoff 2020 à Mobile Super League de l'après-midi de cette première journée tout à l'heure vers 15h50 avec donc l'Horizon Passau qui affrontera la S Magenta, les Maréens au défi Magenta. Matelon. Yanem, encore lui, mais partout aujourd'hui, Bruno Yanem. Et Georges Béarnais, petit ballon piqué, dommage. Ouais. Et ça souffle, ça souffle. Dans les travées de Nima Deli. Bob. Chercher là-bas à Matelon, Regeis directement en touche. On va féliciter aussi les U18 de l'AS Mondor, largement victorieux hier de Dombé AFC, qui vont donc remporter le premier championnat fédéral U18 FCF. Il reste une journée, mais ils sont déjà assurés au goal average. Tête devant. Ballon dangereux. Oh, une grosse faute quand même. Voilà, là. Et ouais, bien. Rouge. C'est le deuxième jaune. Deuxième jaune. Lilian Tao. Ah, c'est forcément dommage pour Yen Gensport. Ça va être dur à la fin de match. C'est ce qu'on trouve. Rouge donc, exclusion pour Lilian Tao. Lilian Tao. Bah, sur la faute, je pense que l'avertissement est logique. C'est vrai qu'il était déjà averti, Lilian Tao, malheureusement. Attention. Et Tiga, qui va pouvoir jouer en supériorité numérique sur les 13 minutes restantes dans le temps réglementaire. Bien joué. Miguel Kayarak obtient la faute d'expérience. Pierre Wajoka qui est sur le terrain, on ne le voit pas. L'entraîneur de Tiga Sport qui est par sur contre, le terrain. Félix Tagawa qui est au bord du terrain. Zone, ouais. Ah, mais c'est des matchs aussi qui sont en prenant ou Tiga Sport. Alors les deux sont anciens joueurs. Deux anciens joueurs, ils ont envie de... Ils ont envie d'entrer, d'enfiler la tunique. Attention, ça part à droite là-bas. Et Bertrand Caille isolé devant à l'image de Lionel Poulawa qui a très peu de ballons, mais il n'en faut pas beaucoup pour Bertrand Caille. Alors on va voir comment se réorganisent les bleus. On va, je pense, passer à deux lignes de 4. Pour l'instant, ça. Ce qui est le cas là. Avec Joris Grandiaoué qui rentre dans la ligne. Goni, Houé et puis Miguel Cayara là-bas. Et puis le seul en pointe, Bertrand Caille. Voilà, ça y est, là, il joue pour défendre, mais vraiment défendre. Ils ont du mal à amorcer des attaques construites à Yengen. Ça a dégagé le ballon depuis... Pierre Bacco. Ils sont un peu mieux dans l'alignement défensif des 4 de derrière la Gengen depuis quelques minutes. Attention le rebond. Pierre, bien joué. Et la main. Je n'ai pas d'accord avec ça. Et en tout cas, c'est sifflé par monsieur l'arbitre, monsieur Reboul.
Ça, c'est... Ça permet à Yagen de souffler, il faut qu'ils prennent leur temps. Parce que là, ils sont pas en très bonne position, là, en ce moment, la situation... Elle est défensive, ils font que défendre et... Ouais, puis alors là, il reste 10 minutes, attention. Un frappe de Joe Attalé. C'est précipité dessus, là. Tiens, ça repart. Précipitation pareil pour pas content le coach Tigasport. Les passes faciles comme ça là, passe simple. Allez Emile Baronnet, long ballon devant, la tête de Georges Baronnet. Le frangin. Ouais. Pour Georges, ils sont aujourd'hui adversaires. Pour l'instant, c'est Emile Baronnet et Yann Gensport qui mènent au score. Ah, il reste 10 minutes hein, au temps réglementaire, on va voir. Un joué, le petit Jean-Pierre Bob qui, en deuxième mi-temps, là, bloque bien son couloir. Défensivement, il a réajusté. Je crois que c'est à la pause qu'il... s'est rendu compte que va falloir jouer autrement. En deuxième mi-temps, il l'a fait. Par contre, attention, il n'y a pas de hors-jeu. Bertrand K, le petit ballon. Quand on lui laisse pas l'espace à Pierre Bacco, il n'arrive pas parce qu'il sait jouer. Il sait donner que des ballons longs. Lui, ce qui est intéressant chez lui, c'est le jeu long. Par contre, le jeu court et le jeu rapide où il faut voir prendre l'information avant, il n'arrive pas. Voilà, faut lui laisser le temps et bam. Il met des longs ballons comme ça, Pierre Bacco. Si on est proche de lui, il n'arrive pas. C'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Il a donné un ballon dans l'axe pour les joueurs de Yengen. Si on lui met la pression, il n'arrive plus. Allez, Joël Wakanumune. Attention, une ligne à plat là. En jeu, signalé. C'est quand même à plat les joueurs de Yengen. Hein. Mais ils sont quand même un peu mieux là, on les sent un peu plus solides sur cette ligne 4 là depuis 10-15 minutes et ça tient John, il reste... Ça tient, ils sont 10, des fois à 10 on se comporte mieux, voilà. On a des comportements plus justes, parce qu'on sait qu'on est en infériorité numérique, donc on fait attention à ses déplacements. Un peu plus posé dans les montées. Exactement. On contrôle nos énergies, que ce soit pour attaquer et ou pour c'est défendre. Pour ça que je dis ça, parce que regardez bien Bruno Yannem et Décoiré, ils montent plus. Hein. Ils ont raison, mais je pense que c'est le mot aussi de Félix Tagawa au bord du terrain, qui est en train de dire à Bruno Yannem, tu restes en place, et maintenant on mène au score, logiquement. Il faut vraiment qu'ils prennent le temps, les joueurs de Tigasport, pour... Allez, un ballon dans l'axe, attention, contre... Et bien fait ça avec Célé, Richard Célé. Non. Il cherche trop direct, Richard Célé. Je crois qu'ils ont... Ils ont vu qu'en première mi-temps, le jeu direct, ça ne les réussissait pas. Faut pas qu'il continue dans ce sens. Tout à l'heure, on a vu un but qui a été emmené par un jeu court, rapide, pris une projection vers l'avant après avoir trouvé un décalage ou de l'espace, créer l'espace. Là, il n'y a aucun espace qui a été créé, aucun décalage qui a été fait. Il a lancé devant. C'est la fatigue aussi des fois. Ça manque de lucidité. Ah, qu'est-ce qu'il y a là ? Hors jeu. Allez, on est toujours en direct donc sur notre chaîne FCF TV, Facebook, YouTube. Et Yengen qui pour l'instant mène de l'usage avec Bertrand Kay peut-être pour le troisième, la frappe. Attention, on a vu le filet trembler, mais c'est heureusement Antiga derrière. Super ballon de Miguel Caillera qui n'a pas profité à Bertrand Kay, pourtant il était là. Hein. Long. Attention, je pense qu'il aurait dû laisser sortir le ballon tranquille. Là. Il s'est épuisé.
Nengen voilà. Sport. John est double champion en titre du championnat de la Coupe. Ouais. Vainqueur, champion en titre de la Ligue des champions océaniennes et a participé à la Coupe du Monde, au dernier mondial des clubs. Ils vont essayer d'aller chercher à nouveau des titres. Puisque voilà, ils ont remporté à nouveau la Coupe cette saison. Face à Nejeu, 3-1, on s'en rappelle. Maintenant, c'est... Ouais, ça a été un super coaching, ça a été un match serré jusqu'aux prolongations. Et... Ouais, face à Atanaï qui disputait sa première finale de Coupe de Calédonie senior. C'était il y a un mois déjà. En tout cas, là, Tiga qui court après le score. Youngen, donc, qui, je le disais, va aller défendre son titre de champion de Calédonie. Et pour l'instant, il mène 2-1. Mais il reste du temps pour Tiga Sport. Qui joue, on le rappelle, à 11 contre 10 avec l'exclusion de William Tao. Il reste 5 minutes de jeu dans le temps réglementaire. Tiga qui pousse. Et Youngen qui subit là. Ah, ils ont eu le premier quart d'heure de la seconde période très très délicat côté Youngen Sport. C'est Émile Bernier qui va faire la touche, le défenseur central. C'est bizarre. Les... Ah, c'est une mauvaise touche, là. Il a fait une passe au basket à Joris. Là. Allez, faut se remettre dedans. Ouais, il était encore énorme Émile Baronnet aujourd'hui, offensivement là. Il a tout fait, il a fait les touches. Et... Allez, t'es partout. Pareil, là, c'est une touche. Ah, ça manque de lucidité, on arrive à... les secondes qui défilent. Ouais. À la 87e minute et... Sacré duel avec Louis Soya là. Les deux grands. Attention, il y a un changement. Marie Cochet qui va faire son entrée. Qui va rentrer à la place de Ronald Ureguey, qui a fait un bon match, qui a fait un match intéressant. Même si en première mi-temps, il a eu un peu de mal sur son côté là, à gérer le côté droit avec Jean-Pierre Bob et Loïc Alcaminé. Et puis là, la deuxième mi-temps était plus intéressante pour ce trio du côté droit de Tiga Sport. Attention, et long ballon à Marie Cochet, la talonnade, super, frappe et but. Oh, le but, j'en ai chassé. Il vient de rentrer en jeu, premier ballon, Marie Cochet, passe décisive, talonnade, passe décisive pour magnifique. Et Richard Salé qui vient égaliser. Il a été malheureux, malchanceux sur l'ensemble de ce match. Et à 2 minutes de la fin du temps réglementaire, les efforts qui ont fini par payer Richard Salé. On va le voir, on voit sur le... 88e minute de jeu. 88e minute de jeu. Quel match. 2-2 entre Tiga Sport et Youngen Sport. Et c'est pas fini. Alors malheureusement, Youngen qui craque sur la fin. Youngen qui craque sur la fin et Tiga qui pousse. Ils peuvent aller chercher la victoire s'ils continuent de... Et il a... Non, là, c'est, Enfin, on verra ça dans la semaine sur les résumés de la rencontre sur la chaîne YouTube FCF TV. Et le ballon qui est sur un tir, l'angle enfermé de Rocky Nikane, mais ça a été mal fermé. Attention, il va falloir faire très attention. C'est passé au... Premier poteau, cette frappe décroisée. Il y a une faute. Ah, il est rentré en jeu, Amir Ruiné. C'est lui qui prend le ballon là. Je crois qu'il veut le frapper. J'ai même pas vu rentrer. Pourquoi il cherche à discuter, replacez-vous. Et... Miguel Caillard est toujours sur le terrain. Là, Yannou est sorti.
On a même pas vu le changement, hein. T'es pris par le l'égalisation. Willy, Gonny, non, il est là. Nelson Kai. En tout cas, ce coup franc pour Joseph Attali. Allez, pourquoi pas. Yen Genspo. Ça longe la barre transversale. Joseph Attali leur a tiré au moins 4-5 fois au but. C'est assez rare pour un défenseur central. Antoine Rouiné, donc Camille qui l'arrêt, est passé à la place de Houé, hein. Ouais. Ryan Houé qui est sorti. Bon, on va dire que chaque équipe a eu sa mi-temps. Avec un score jaune de nul, ce serait pas illogique. On est dans le temps additionnel. Attention. Attention. Oui, je crois que le match est nul. L'ensemble du match, première mi-temps pour Yengen, deuxième pour Tigasport. Il y a un équilibre. Joris Gorandiaoui, bien fait la touche avec un centre maintenant. La tête de Bertrand Caille. Il n'y avait pas de faute. Une faute de Bertrand Caille sur Ipézé. Ah, il faut qu'il s'impose, Gaïska. Il faut tout dégommer là quand on est gardien. Parce qu'il faisait. La surface c'est chez lui. Hein. Voilà, les réparations c'est au gardien ça. Attention. Yamen, faut qu'il regarde. Ouh, la frappe. Ouh là, c'était pratiquement cadré. Georges Baronnet, on dit souvent qu'il a le pied gauche magique. Et je peux vous dire que c'était. Rocky l'a niqué, il a assuré, mais je me demande si c'était pas cadré. Hein. Allez, corner. Allez. On est dans les dernières secondes. Dernière seconde. Une partie. Possibilité pour Tigasport de. Pierre Wadjoka, image qui fait les 100 pas. Il aimerait forcément voir les siens venir à bout de Yen Genspor, deux buts partout. Coach Wadjoka qui donc espère profiter de ce corner. Second poteau, la frappe. Ça s'en va. C'est pas couché sur le ballon, regarde maintenant. Il va à l'arbitre. Voilà, ça va siffler. Ça va siffler la fin. Je pense que. La prise à 3. Pas prendre de risque hein, du côté d'Yengen, hein, c'est un 10. Ouais, il faut envoyer un long ballon devant, mais il faut surtout être à la tombée. Ouais, cocher sanctionné, il n'était pas à distance réglementaire. Allez. Je pense que ça va être la dernière action de ce match. Ouais, voilà, faut qu'il envoie dans la boîte. Rockini Kane qui va se charger de ce coup franc très lointain. Et le ballon. Attention parce que le retour. Grand ballon en cloche. C'est Émile Béarouné. Bien fait, Jordi Gonny. Attention. Et c'est pas mal ça, il n'y a pas de hors-jeu. On va suivre. Oui, voilà, il a signalé. Alors c'est toujours cette règle où l'arbitre assistant doit attendre que le joueur prenne possession de la balle. Ouais. Des fois ça, on le répète, ça prête à confusion sur les matchs qu'on voit là en mobile Super League, mais également dans les matchs qu'on peut voir autres en Ligue 1 ou en Ligue des Champions. Ouais, ça crée des. C'est un peu. Il doit y avoir une raison à ça, il faudra demander au. Arbitre assiste dans ce ballon et encore Béarouné en couverture. Émile là, qui. Attention. Attention. On allonge. Loïc Wakanomone qui a été solide en seconde période. Émile s'est complètement détendu. Il y a. C'est un peu des matchs de coupe là qu'on a l'impression de voir. Attention. Et attention, le retour de. Miguel Caillard dans ses déclarés, il fait faute et un avertissement. C'est une grosse faute. Alors, coup franc intéressant. Faute intéressant pour le petit Baco. Ah non, le cher Célé qui veut le. Il veut le mettre sans doublé. Ah, faut voir. Hein.
S'il se sent de la mettre au fond, il faut le laisser. Ah, mais il y a le jeune Bako aussi qui sent vraiment le coup. Allez. Et c'est lui, c'est Pierre qui va. Dernière opportunité. Ouais. C'est Pierre Bako qui va peut-être là. Deux buts partout entre Tiga 2-2 et Yensgen. Dans les arrêts de jeu. Et un mur à 3. Mis en place par Rocky Kane. Alors là, Marie Cochet n'a pas le droit d'être dans le mur. Hein, donc voilà, il s'écarte. C'est contré, prise de balle impeccable. Et elle n'était pas facile cette prise de balle avec le rebond. Ouais, c'est fini. Ça met fin à cette belle rencontre jaune entre Yensgen et Tiga. C'est régalé. C'est intéressant. Une première mi-temps où Yensgen avait quand même le dessus sur cette formation de Tiga Sport. Et puis en deuxième mi-temps, la physionomie a complètement changé. On voit l'image de Pierre Wajoka qui a dû remonter ses troupes et remotiver ses joueurs. Trouver les mots justes pour avoir une justesse de jeu en deuxième mi-temps. C'est ce qui s'est passé. Ils sont revenus au score 2-2. Voilà, donc un premier match nul dans cette première rencontre des playoffs 2020 à Mobile Super League. Joris Gorengawe à l'image donc. Qui rentre au vestiaire avec peut-être le sentiment partagé, puisque on le rappelle, il y a une Sport menée 2-0. On va se retrouver, John, aux alentours de 15h50 pour cette seconde rencontre de la journée entre l'Horizon Pasto et l'AS Magenta. Restez bien avec nous sur la chaîne FCF TV. À tout à l'heure pour la suite de cette première journée de playoffs.